Pour fêter la prochaine arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le service public déploie les grands moyens. À un an de la compétition, plusieurs émissions spéciales seront proposées ce mardi 25 juillet, dont une édition spéciale du JT de 20h de France 2. Le vendredi 26 juillet 2024, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront officiellement. Si de très nombreuses polémiques ont éclaté, notamment sur le prix exorbitant des places, tout est fait pour que les esprits soient désormais à la fête. Afin de célébrer dignement l'événement, France Télévisions, le diffuseur exclusif, note de la rédaction, adapte ses différentes antennes pour attirer les téléspectateurs le mardi 25 juillet et le mercredi 26 juillet, à un an tout pile du lancement de la compétition. Télé Loisirs vous donne le programme. Édition spéciale du JT de 20h de France 2, qui sont les invités exceptionnels de Jean-Baptiste Marteau. À noter tout d'abord que Carole Gaessler présente depuis ce lundi 24 juillet le magazine Jeux Citoyens, à 20h40 sur France 3. Du lundi au vendredi, elle y accueille de nombreux athlètes prestigieux parmi lesquels Laure Manaudou, Marie-Josée Pérec, Luc Abalo. Ou encore Théo Curin, à la tête d'une interview hebdomadaire. L'émission du 26 juillet sera, elle, en direct avec en invité exceptionnel, Tony Estanguet. Parallèlement, France 2 a aussi demandé à Jean-Baptiste Marteau de présenter une édition spéciale du journal de 20h le mardi 25 juillet, depuis les bords de Seine à Paris, avec des reportages en immersion sur les sites olympiques et des invités prestigieux en plateau. Sont attendus le champion olympique Usain Bolt, Tony Estanguet, président de Paris 2024, la championne de boxe Estelle Mosley, la championne de surf Joanne Defay et le préfet de police de Paris Laure Nouniez. Paris 2024, le concert événement, qui sont les invités du show de France 2? Cette édition spéciale sera suivie sur France 2 de Paris 2024, le concert événement dès 21h10. Ce spectacle présenté par Laurent Luya et Laurie Tillman permettra d'entendre de nombreuses stars dont Patrick Bruel, Amir, Offenbach, Lang Lang, Vita, Chimène Badi, Gims, Patrick Fiori et d'écouter les confidences de champions comme David Douya et Brahim Asloum, présents dans différents lieux symboliques de la capitale. Ce concert sera suivi par le documentaire L'Odyssée des Jeux Olympiques. Paris 2024, Louis Laforge voguera sur la scène le mercredi 26 juillet à un an des Jeux de Paris 2024, la journée du mercredi 26 juillet va, elle, débuter en fanfare avec Louis Laforge. Dès 8h30 il présentera une émission spéciale à bord de la péniche Le Chansonnier qui participera au défilé des délégations de la future cérémonie d'ouverture qui se tiendra sur la scène. Il accueillera de nombreux invités dont le triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024 Tony Estanguet. Autres invités de marque qui participeront à cette émission, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, Thomas Joly, qui met en scène la cérémonie d'ouverture et Marie-Amélie Lefeur, la présidente du comité paralympique et sportif français, dévoileront certainement quelques informations encore inconnues.